Nous nous sommes efforcés de mieux évaluer les évolutions du travail et en particulier les représentations que l'on en a. Notre souhait pour ce soir est de rechercher les chemins praticables et réalistes d'une plus grande humanisation du travail autour de cette question: humaniser le travail, quelle éthique chrétienne pour le monde économique? Le travail aujourd'hui questionne. On s'est beaucoup interrogé ces dernières années sur la souffrance au travail, au point de se demander parfois si le travail ne devenait pas inhumain. Dans ce contexte, nombre d'entreprises se sont mises à développer en leur sein des chartes éthiques. Alors, quels sont un peu les principes éthiques qui sont mis en œuvre dans les entreprises? Et plus spécifiquement, quel éclairage la vision de l'homme et du travail proposée par la pensée sociale de l'Église peut-elle apporter aujourd'hui dans les choix des décideurs économiques? Quelles perspectives ouvre-t-elle? Quelles sont aussi ses limites? Alors, pour y réfléchir ce soir, nous sommes heureux d'accueillir le père Bernard Bougon, qui est ici à deux titres. Il est d'abord jésuite, aumônier national du MCC depuis 2007, et à cet égard, il est au fait non seulement de la pensée sociale de l'Église, mais aussi de la relecture par de nombreux cadres de leur expérience de l'entreprise et des managements qui sont pratiqués. Et ensuite, comme psychosociologue de formation, Bernard Bougon a été envoyé par la Compagnie de Jésus dans le monde de l'entreprise et de l'économie. Et à ce titre, il a participé comme associé à la création d'un cabinet conseil en stratégie d'entreprise, FVA Management. Et vous avez aussi enseigné l'éthique du management dans les écoles de commerce et d'ingénieurs. Et vous avez en particulier eu le souci de montrer comment la dynamique des exercices spirituels d'Ignace de Loyola pouvait s'appliquer aux situations managériales, réflexion que vous avez partagée dans un ouvrage intitulé Pratique de la décision, développer ses capacités de discernement. Et je crois que c'est aussi un peu ce que vous allez nous proposer ce soir, comment la pensée sociale de l'Église peut aussi éclairer les pratiques de l'entreprise aujourd'hui, les pratiques du management. Alors merci à vous d'avoir accepté notre invitation à venir éclairer de votre double expérience, eh bien, le chemin d'une humanisation du travail. Merci. Merci Hervé Paradis. Alors, il faut quand même rectifier tout de suite quelque chose. L'ouvrage, Pratique de la décision, c'est un travail qui a été fait à deux. Et l'autre, qui est en fait le porteur du projet, c'est un laïc, père de famille, qui est membre de la communauté vie chrétienne, même pas MCC, c'est dire. Et c'est lui qui avait l'intuition que les pratiques de décision ignatienne pouvaient peut-être améliorer un certain nombre de pratiques de décision dans les entreprises, et notamment son point de départ, c'était à la suite des entretiens d'évaluation. Il avait travaillé dans les DRH du grand groupe industriel Usinor-Saint-Cylor, entre autres choses, et il trouvait que les décisions qui étaient prises à la suite des entretiens individuels d'évaluation, c'était n'importe quoi. Et c'était ça son idée. Seulement, il avait une intuition, mais il n'avait pas les moyens de son intuition dans la mesure où il ne connaissait pas la spiritualité ignatienne. Et c'est une rencontre un peu fortuite qui fait que, parce qu'il habitait Lille, et moi j'étais à Paris, et en passe de venir à Strasbourg, qui fait qu'il est tombé sur mon nom avec associé FVA Management, jésuite associé FVA Management. Il s'est dit peut-être qui va accepter de m'entendre et qu'on pourra parler. Et donc, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, nous développons des formations, des accompagnements, aussi des conférences sur ce thème de la décision et du discernement professionnel en entreprise. Et le travail que nous avons fait, ce livre, c'est un livre qui a été véritablement écrit à deux. Il n'y a pas la partie revue de ce que disent les cierges de gestion américaines écrites par Laurent Falk, et puis la partie discernement écrite par Bernard Bougon. Non, non. On a vraiment croisé nos capacités, nos compétences, et maintenant, je ne sais pas toujours, je ne suis pas toujours capable de dire, tiens, c'est moi qui étais plutôt en tête sur ce chapitre, ou tiens, c'était plutôt Laurent. Tellement nous avons vraiment en osmose travaillé ensemble. Mais c'était lui qui était le porteur de projet.
J'ai toujours le principe qu'il ne peut pas y avoir d'aigle à deux têtes, sauf sur les armes de la maison d'Autriche. Alors, en ce qui concerne le sujet de ce soir, bon, j'allais dire, c'est comme l'humanisation des hôpitaux. C'est un travail toujours à faire et très compliqué. Alors, peut-être qu'il peut se résumer en un mot, mais en fait, le sujet est très vaste. J'ai essayé de retenir un certain nombre de têtes de chapitres. Sur certaines, je serai assez rapide. J'ai fait des choix. J'ai fait des choix. J'ai décidé de laisser de côté certaines choses et plutôt d'insister sur d'autres, en espérant que ces autres choses vous paraîtront moins ordinaires, moins répétées. Voilà. Donc, vous avez le plan de mon intervention. Il se trouve que j'ai quand même beaucoup retravaillé, donc il manque une partie qui vient entre le 1 et le 2. Donc ça serait une partie 1 bis, si vous voulez, mais ça serait plutôt une partie 2-0, qui est de rappeler des éléments sur la façon dont le travail a été envisagé dans l'histoire occidentale. Parce qu'il y a le travail, c'est une chose, mais il y a la façon dont ce travail est compris, la façon dont on parle du travail dans la pensée occidentale. Et donc là, il y a des choses à rappeler qui sont importantes parce que ça forme le substrat de la réflexion sur le travail. Alors, ce qu'a dit Hervé aussi était très juste, c'est-à-dire que j'ai cette expérience professionnelle dans le monde de l'entreprise. Mais comme aumônier national du MCC, cette question-là est un souci pour moi. Je dirai pourquoi tout à l'heure. C'était aussi le sujet des journées nationales du MCC en 2009. Le travail vers quelle humanité ? C'était donc dans 70 villes de France, le MCC organisait des événements autour de cette thématique, le travail vers quelle humanité ? Donc j'avais aussi beaucoup travaillé à ce moment-là sur cette question. Mais j'ai repris entièrement le sujet avec des éléments nouveaux pour cette conférence de ce soir. Nous nous arrêterons, en fait, après les 5 changements majeurs dans le travail, pour avoir un temps d'un quart d'heure, 20 minutes de questions. Donc, parce que je vais dire que c'est la partie un peu sociologique. Donc, si d'abord, ça vous reposera de ne plus m'entendre, ou moins. Voilà, s'il y a des questions, si vous voulez qu'on revienne sur l'un ou l'autre chose, on prendra un quart d'heure, 20 minutes. Pour embrayer ensuite sur la partie plus à la fois philosophique et spirituelle et avoir un deuxième temps de questions après. Donc évidemment, une petite bibliographie, elle n'est pas complète, mais c'est tout ce que je pouvais mettre décemment sur une seule diapo. Vous avez eu, je crois, Monsieur Boissard, Pierre Boissard, j'ai été intéressé par son livre, Le Nouvel Âge du Travail. Je crois que la conférence qu'il vous a faite était déjà une réflexion postérieure à son livre. Je me trompe peut-être, mais... Oui, c'était ça, voilà. Donc je pense que ça devait être très intéressant de l'entendre. Alors je ne sais pas si je vais recouper ce qu'il dit ou dire des choses différentes, je ne sais pas trop. Il y a un auteur incontournable qui est Christophe Dejour. Alors là, j'ai pris le petit... son petit livre, c'est un tout petit livre de conférence, mais qui est vraiment pertinent. Mais c'est lui qui est à l'origine des travaux sur la souffrance au travail. C'est lui qui est à l'origine des consultations de souffrance au travail dans les différents hôpitaux, enfin CHU de France. Un classique depuis la fatigue des élites. Un classique aussi très important parce que je crois que ça situe bien le sujet, c'est le harcèlement moral de Madame Irigoyen. Nos députés, hélas, se sont jetés sur le concept comme la misère sur le pauvre monde. Et ils ont donné une définition qui fait qu'on ne sait plus très bien ce que c'est. Ce premier livre de Madame Irigoyen dit bien ce que c'est que le harcèlement moral. Je peux témoigner que j'ai rencontré ce harcèlement moral, disons pas de façon très fréquente, mais suffisamment fréquente pour qu'il est important qu'on en soit averti. Parce que vous avez, par exemple, je ne vais pas donner le nom d'entreprise, ça ferait mauvais effet, mais je pense à une telle grande entreprise
où vous aviez un grand cadre qui était un pervers narcissique. Alors on l'avait mis dans un placard, mais comme c'était un grand cadre, il lui fallait une secrétaire. Et tous les 6 mois, il envoyait une secrétaire à l'hôpital avec dépression majeure. Et l'entreprise était complice de ça. Ah, donc c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot. Le travail sous tension, c'est un petit ouvrage qui est de M. Lallemand. Alors M. Lallemand, c'est un des sociologues certainement qui est la plus forte autorité en France sur le sujet du travail. Mais il a publié dans les éditions Sciences Humaines un petit ouvrage, pas épais, mais qui est très suggestif. Et puis Marie Peset, c'est une psychologue qui est, une disciple, entre guillemets, de Christophe Dejour. Et je ne sais pas si vous avez lu son livre ou si vous avez vu le film, parce qu'il y a une émission à la télévision. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est assez saisissant et ça fait comprendre quelque chose de ce dont on parle lorsqu'on parle de souffrance au travail. Voilà. Alors, mon introduction, je le fais comme introduction. Il y a quand même un phénomène qui est assez marquant aujourd'hui, et c'est normal qu'un aumônier se soucie de cela. L'aumônier, il a quand même vocation d'aller d'abord vers les pauvres, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui sont en difficulté, etc. Voilà. Cette montée de la souffrance au travail en Europe et particulièrement en France. Vous avez des enquêtes européennes au niveau de l'Union européenne, donc 27 pays aujourd'hui, qui sont des enquêtes sur les conditions de travail. Vous les trouvez sur Internet, hein, donc vous pourrez vérifier mes propos. Elles sont vraiment facilement accessibles. Elles sont faites par des instituts qui ont des méthodologies tout à fait rigoureuses, qui sont répétées tous les 5 ans, je crois, ou à peu près. Oui, c'est tous les 5 ans. Et ça permet de faire apparaître des choses qui se passent. Donc il y a une transformation des conditions de travail qui est très forte dans le monde occidental, en particulier en Europe. Et ce que l'on peut constater, c'est une montée très sensible de la plainte par rapport à cette évolution. Alors, ça pose des questions. Alors, quelques éléments. Voilà, vous voyez, on a depuis 1990, donc ça nous donne... Là, c'est des enquêtes. J'ai pas l'enquête 2005, parce que là, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est comparé 90, 95, 2000. Et il y a pas la comparaison 2005 et 2010. J'ai pas trouvé de schéma qui la faisait. Mais vous voyez très clairement au bout, c'est comme c'est écrit petit, au bout à gauche, pour moi, enfin oui, à gauche, c'est les douleurs dorsales, donc elles augmentent un peu. La fatigue générale, bon, elle augmente raisonnablement. Le stress, bon, là, il ne change pas. En revanche, le port des charges lourdes augmente. Les postures pénibles ou fatigantes augmentent. Les cadences très élevées augmentent très fortement. Et les délais rigoureux, mais ça, vous le connaissez, vous le savez aussi bien que moi, augmentent très fortement. Voilà. Alors, ce qui est très curieux, c'est que parallèlement à une montée de la tertiarisation, le port des charges lourdes augmente. Voilà. Alors c'est très, très curieux. Bon, c'est des questions, on ne comprend pas tout, hein, mais on peut essayer d'avoir des interprétations, je ne me risquerai pas. Alors si on en vient en France, alors d'abord il faut regarder ce qui est en rouge quand même. c'est que y a quand même une satisfaction au travail de 82% des Français. Alors, salariés et non-salariés, ça veut dire les entrepreneurs, les non-salariés. C'est ceux-là qui sont inclus dans cette enquête. Et il y a une satisfaction aussi globale sur le rapport qualité horaire de travail et vie privée. Cette expression d'une cette satisfaction est assez étonnante pour moi. Parce que j'entends quand même, en tout cas du côté des cadres, une autre chanson.
Alors, vous voyez qu'il y a une comparaison entre les résultats de l'Europe à 27 et la France, hein, donc sur un certain nombre de constats. Alors, vous voyez qu'ensemble, il semble quand même que, heureux comme Dieu en France, il y a un bouquin qui est paru, donc il semble qu'en France, on soit globalement moins stressé que dans le reste de l'Union européenne. Vous voyez, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, on se plaint toujours, mais peut-être que. Par contre, la fatigue générale est à peu près la même. Les maux de dos aussi, hein, on a, semble-t-il, moins mal au dos en France que dans les autres pays de l'Union européenne. Alors ça, c'est quand même frappant parce que chacun d'entre nous connaît autour de, si ce n'est lui-même, autour de lui, des personnes qui ont mal au dos. Voilà. En France, mais c'est vrai aussi en Europe. Et c'est important de voir que le phénomène n'est pas français. Vous voyez, c'est pas simplement. D'ailleurs, bon, moi, depuis plus d'une dizaine d'années, j'interviens régulièrement comme observateur pour le Saint-Siège au Conseil de l'Europe, et j'ai acquis la conviction que toutes les questions de société qui se posent en France sont des questions qui se posent à l'Europe, et non seulement à l'Europe des 27, à l'Union européenne, mais à la grande Europe, l'Europe des 45. Toutes les questions. Il n'y en a pas une, les questions d'éducation, les questions d'environnement, les questions de culture, les questions de les Roms, enfin, les questions de bioéthique. Voilà, tout le monde, on se pose tous les mêmes questions. Pas toujours dans les mêmes termes, mais les mêmes questions sont dans tous les pays. Donc ce qui monte très fort, et ça continue, oui, puisqu'on a des chiffres jusqu'en 2008, c'est les troubles musculo-squelettiques. Et c'est clairement lié à la généralisation des ordinateurs, puisque aujourd'hui, on estime qu'une personne sur deux en France travaille avec un ordinateur de façon significative. Hein, pas simplement taper enfin, de temps à autre sur un clavier, mais ils sont assis pendant une bonne partie de la journée devant un ordinateur. À titre pour mettre les choses en tête, ça coûte 800 millions d'euros à la sécurité sociale. Ces troubles musculo-squelettiques. Oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que tout ça a un coût économique. Et donc, c'est aussi pourquoi on peut être amené à réfléchir. On se plaint qu'on ne sait pas gérer les trous économiques de la sécurité sociale, mais je veux dire, tout n'est pas de l'ordre de la fatalité. Ce n'est pas simplement parce que les gens ont un cancer ou des maladies dont on a un peu le sentiment qu'elles viennent comme une fatalité. Non, ça c'est lié à des choses qui ne sont pas en place. Voilà. Alors, cette autre enquête, c'est une enquête de l'ANACT, c'est-à-dire c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Cette enquête, dit quelque chose d'un peu différent de la précédente, qui était européenne, la comparaison européenne. Vous voyez que les salariés qui se disent stressés sont non plus 18%, mais 41%. Très stressés, 13%. Et le chiffre augmente avec les cadres supérieurs. Donc, au fond, ce que nous dit ce graphique, c'est que les cadres supérieurs sont eux-mêmes soumis à une très forte pression et ils ne peuvent pas faire autrement, en quelque sorte, que de la répercuter en descendant. Voilà. Enfin, je dis qu'ils ne peuvent pas faire autrement. On va poser ça sous forme de question. Voilà. Alors, pour conclure sur cette introduction, comment comprendre la montée de cette plainte? Parce que ça se discute, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que concernant les conditions de travail, il y a eu des renforcements législatifs très importants depuis une vingtaine d'années. Bon. Donc, il y a des gens qui disent, eh bien, on a un meilleur thermomètre, il est plus fin. Donc, c'est lui qui fait monter la fièvre. Voilà. On dit la même chose aussi à propos des plaintes au commissariat pour la sécurité, ou la sécurité, etc. Bon. Est-ce que cette explication est la bonne? On en discute. Il semble qu'elle ne soit quand même pas
trop convaincante. Alors, il y a aussi une autre explication. Tout ça, c'est dans les têtes. C'est dans les têtes et, c'est dans les têtes et c'est organisé par le système. Vous savez qu'il y a une idéologie néolibérale très prégnante au niveau de l'Union européenne, donc qui diffuse sur les politiques, mais aussi le haut patronat. Ceci répercute la pression sur des cadres qui, ce dirigeant, qui, parce qu'ils veulent faire carrière, sont manipulateurs et inhumains. Hein, ils ne pensent qu'à eux. Et donc, les employés sont des braves gens qui acceptent de souffrir. Voilà. Bon, vous comprenez que cette explication, c'est pas la mienne. Plus sérieusement, je crois qu'en fait, le travail change. Et ça, c'est ce qui m'impressionne le plus. Le travail change et il est difficile, je trouve qu'il est très difficile. Et dans les sociologues que j'ai cités, je n'ai pas trouvé véritablement de réponse. Et même chez M. Boissard, je n'ai pas trouvé de vraie réponse. Alors peut-être qu'il a évolué ou progressé là-dessus. Mais le travail se transforme profondément. À la fois dans sa nature même et à la fois dans la manière dont on doit le conduire. Et puis, il se transforme dans sa transformation. C'est-à-dire que c'est un espèce de mouvement perpétuel donc qui est difficile à saisir parce qu'on ne sait pas très bien où ça va. On subit ces transformations, on les vit simplement parce qu'on essaye de bien travailler. Et soi-même, on transforme les choses. Et on sent qu'on ait toujours la possibilité de comprendre où ça nous emmène. Alors, on peut dire que ceci, ça provient de 5 sources. 3 qui sont déjà anciennes, qu'on peut dater, pour faire simple, on va dire des années 80, enfin en tout cas d'après les 30 Glorieuses, ou la fin des 30 Glorieuses. La première source, c'est ce qu'on appelle la généralisation de l'économie des services. Bon, pour bien comprendre l'économie des services, il faut savoir que le terme service repose sur une convention, c'est-à-dire qu'on distingue service de l'industrie, et c'est-à-dire qu'on sort des activités industrielles toutes les activités en sous-traitance et toutes les activités fonctionnelles. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre une usine métallurgique, à partir du moment où Usinor ou une usine automobile ou Renault fait travailler des techniciens de surface, qui ne sont plus des techniciens de surface Renault ou Usinor, mais qui sont des techniciens de surface d'une société propre net ou ce que vous voulez, c'est des services. Alors qu'avant, ils étaient classés industrie. La même chose. Les services de DRH, les services de comptabilité de ces grandes entreprises industrielles sont classés services, alors qu'avant, ils étaient classés industrie. Donc, ce qui fait que ça rend aussi, je mets ça entre parenthèses, mais ça rend un peu difficile l'appréciation exacte des discours sur la désindustrialisation de la France. C'est pas si simple que ça, d'autant plus que beaucoup d'industries se transforme, il y a des industries nouvelles qui se créent, mais dans laquelle la part de service est très importante. Alors, donc il y a une vraie difficulté à approcher les choses, mais ce qui est sûr, c'est que les services créent de nouveaux métiers et font entrer, par exemple, dans les lignes hiérarchiques des métiers qui n'existaient pas et font monter dans les comités de direction, par exemple, un directeur de la logistique, un directeur des achats. Qui avant n'était pas positionné de la même façon. Voilà. Et c'est donc ça bouscule à l'intérieur des entreprises, ça bouscule parce que quelquefois ce sont des gens, les directeurs de la logistique, quand on travaille en flux tendu, c'est vraiment les gens qui sont, comment dirais-je, c'est les gens précieux du comité de direction. Alors, on peut rien faire sans eux. Si vous avez la chance de travailler dans des entreprises de moyenne dimension ou de grande dimension,
eh bien, la transformation de l'organisation, vous en êtes les, sinon les victimes, au moins les acteurs, ou, voilà. Hein, vous savez ce que c'est. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment des tas de modes d'organisation. Il y a eu des tas de modes de management qui se sont succédés. Il y a eu le re-engineering. Il y a eu, donc maintenant, dans certaines entreprises industrielles, il y a le juste à temps, mais qu'on fait aussi basculer dans certains types d'entreprises de services. Vous avez les open space, vous avez, etc. Bon. Vous avez des tas de manières d'organiser le management, d'organiser le travail. Et c'est très souvent d'une année sur l'autre, ou tous les deux ans, ou avec un changement de manager, tout ça s'est bousculé. Et plus d'autres facteurs que je vais évoquer tout à l'heure. Le troisième changement qui est très important et qui pose beaucoup de problèmes à mon sens, c'est la montée de la financiarisation des activités. Ça veut dire que toutes les activités aujourd'hui dans une entreprise, quelle que soit sa nature, sont évaluées à l'aune de nouveaux indicateurs qui sont des indicateurs financiers. Et il y en a une batterie, il n'y en a pas un seul. Voilà. L'inconvénient, enfin de mon point de vue, je le dis tout de suite, hein, l'inconvénient éthique, c'est lorsque ces indicateurs financiers deviennent les seuls indicateurs véritablement consultés par la hiérarchie de l'entreprise, eh bien, les hommes et les femmes de l'entreprise sont instrumentalisés. Voilà. C'est extrêmement, je trouve, délicat à manier. Et puis, ça transforme aussi les façons de voir les choses. Et, c'est-à-dire que pour un directeur de site, par exemple, d'une petite briqueterie chez Lafarge, ou etc., lui, il était sur les productions, sur etc. Et maintenant, on lui demande de rendre compte de son activité en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge dégagée, en termes de... etc., etc. Et pour certains, c'est vraiment... c'est-à-dire que qui ont une formation d'ingénieur et qui ont exercé pendant longtemps comme ingénieur, ils comprennent plus bien, quoi. Ils disent, mais attendez... moi, c'est important de savoir ce que j'ai comme brique disponible. Je veux dire, la question de la marge dégagée par brique, ça m'intéresse moins. Voilà. Mais c'est ça qu'on attend d'eux. Alors, voilà. Donc, ça déstabilise aussi beaucoup les personnes. Je vous dis ça parce que c'est un ancien directeur de Lafarge qui m'a donné ce témoignage de la difficulté de faire passer ce genre d'indicateurs dans leur filiale, dans leur société. Alors. Pour prouver ce que je viens de dire, j'ai pris quelques images. Voyez donc entre 70 et 2006 la montée du tertiaire. Voilà ce schéma parle de lui-même, moyennant la définition que j'ai donnée des services. Mais reste que la montée des sociétés d'assurance, la montée des sociétés du système bancaire et tout le système financier, tous les instituts financiers, la montée des bureaux de toutes sortes est quand même très importante. L'autre transformation qui est pas nouvelle, c'est et qui touche les salariés, c'est que dans une entreprise, dans une grande entreprise ou même une belle PME, des PME de grosse taille, on va dire. Il y a trois grands groupes au fond de personnes qui interviennent dans l'entreprise. Vous avez ceux qui sont en CDI, qui sont bien implantés dans l'entreprise. Vous avez une couronne qui est très importante de salariés temporaires. Alors si je prends un exemple, par exemple une usine Renault à Douai ou Sevel Nord, qui est Citroën, enfin PSA. Disons, en gros, il y a 5000 salariés sur le site, et vous avez, sur les 5000 salariés, vous avez 1500 intérimaires. Voilà. Donc, vous voyez que cette couronne des intérimaires... Donc, c'est des gens en situation précaire. C'est-à-dire, dès qu'il y a une compression sur le marché, dès qu'on a la crise de 2008, c'est eux qui sont dehors tout de suite. On ne renouvelle pas leur contrat, c'est simple. Et puis, vous avez un troisième groupe très, très difficile à dénombrer, qui sont tous les consultants,
divers et variés, dont je suis un représentant, qui peuvent intervenir à différents titres. Alors on intervient en stratégie, on intervient en organisation, consultant d'organisation, on intervient comme ingénieur béton, on intervient comme expert comptable, on intervient comme avocat sur toutes les spécialités, parce qu'en plus on est par spécialité, donc sur toutes les spécialités du droit social, etc. La paye, les licenciements, tout ce que vous voulez, voilà. Et donc voilà, et alors, ce qui se passe, c'est que à ces salariés, aussi bien le noyau dur que les permanents, les consultants, là, ils sont les rois, là, ils sont tranquilles, là, d'une certaine façon, à condition qu'ils aient le marché, ils sont tranquilles. C'est que les personnes sont, on leur fait porter le poids de la réussite de l'entreprise. Et on leur dit, si ça marche pas, ou si ça marche pas suffisamment, il faut que vous fassiez un effort, quoi. C'est sur vous que ça repose. Et avec une précarisation plus grande pour beaucoup d'entre eux du statut, précarisation qui peut atteindre aussi facilement le noyau dur des permanents. Donc voilà, dans ces changements, vous voyez les situations en tension qui sont, alors c'est des grands schémas, c'est pas vrai partout, hein, c'est quand même des grandes tendances et on s'aperçoit que, vous voyez, j'ai pris deux usines différentes de deux groupes automobiles, c'est la même situation. Mais on peut aller dans d'autres types d'entreprises, c'est quelque chose de semblable. Les deux changements plus récents, donc la montée des technologies de l'information et de la communication, on ne dit plus nouvelles, et là, les transformations sont encore en cours. Je pense même qu'aujourd'hui, on est devant des ruptures, C'est-à-dire que on continue trop à se servir de l'ordinateur. Comme si c'était un stylo et ce qui écrivait sur un papier, mais de façon numérique, quoi. Or, ceci ne va plus être possible. Ceci est en train de se transformer. C'est l'écriture même qui doit changer. Parce que, on sait que, par exemple, les gens lisent en diagonale. Un texte sur ordinateur, on le lit en diagonale. Donc, il faut écrire en diagonale. c'est pas si simple. Voilà, pour donner un seul exemple. Mais ces tics, ça transforme complètement le travail. Je pense à une entreprise industrielle qui fabrique des moteurs sur roues de pelle mécanique. Et de tracteurs et de choses comme ça. Donc les moteurs sont implantés sur les roues. Il y a 7 sites dans le monde. Il y a peut-être 1200 personnes dans cette entreprise. Bon, les gens doivent travailler par équipe, sans se voir jamais, par email, par téléphone, au mieux par vidéoconférence, par échange de données informatisées, ça transforme le travail. Et puis, il y a les problèmes d'horaire. J'ai un neveu qui était chez Michelin, enfin, qui est toujours chez Michelin, cartes et guides. Il a été le maître d'œuvre du guide rouge Tokyo, qui a été un succès phénoménal au Japon. On peut parler du Japon aujourd'hui, c'était les heures heureuses du Japon. Bon, le guide rouge Tokyo a eu un succès phénoménal il y a quelques années. Donc il faisait de longs séjours à Tokyo. Mais il avait des journées qui n'en finissaient pas. Parce que le soir, c'était les échanges avec le central à Paris. Pour les raisons de décalage horaire, voilà. Et donc, il commençait le matin à 7 heures pour être à 8 heures sur pied à Tokyo. Et à minuit, il y était encore à causer avec les collègues de Paris qui comprenaient pas qu'il avait envie d'arrêter. Parce que eux, ils étaient 2 heures, donc c'était le... Voilà. Donc, vous voyez, on peut détailler ça, il y a des tas d'aspects, hein, mais... Alors qu'il y a des aspects positifs, mais qui sont très forts, c'est-à-dire ça permet des choses extraordinaires. À titre d'exemple, il faut que je donne un exemple très positif. L'histoire du Falcon 10 de Dassault, qui est donc un avion d'affaires,
Qu'est-ce que Dassault a fait? Dassault a réuni à Saint-Cloud les 200 ingénieurs majeurs de toutes les entreprises qui allaient collaborer au projet. Les uns pour le moteur, les uns pour l'équipement électrique, les autres pour les fauteuils, les autres pour les appareils de navigation, etc. La tôlerie, tout ça, etc. Et pendant un an et demi, ils ont travaillé sur une première conception, sur un premier plan de l'avion. Et puis ensuite, chacun est reparti chez soi. Et ces entreprises, ben, il y en a qui étaient au Brésil, il y en avait qui étaient en Europe, en différents pays, il y en avait qui étaient aux États-Unis, il y en avait qui étaient je ne sais pas où, peut-être en Chine, ou enfin peut-être pas en Chine, mais en Thaïlande ou dans un pays comme ça. Et donc on ne travaillait qu'uniquement par échange de données informatisées. Mais sur un avion comme ça, lorsque vous modifiez, parce que vous apercevez par exemple que si vous faites passer les câbles comme ça, ça va, les câbles vont gêner la manœuvre des gouvernes de l'avion. Donc il faut dérouter le câble. Donc vous allongez le câble, donc vous allongez le poids du câble. Et il faut tout recalculer. Parce que vous alourdissez l'avion. Et comme il y avait des contraintes, on voulait une autonomie spécifique. Donc, alors, est-ce qu'on agrandit les réservoirs? Comment est-ce qu'on peut gagner? Donc, voilà. Donc, pendant 2 ans, ensuite, par échange de données informatisées, avec un comité de pilotage qui était à Mérignac, ils ont repris tout ça avec la complexité que je viens de vous décrire. Et l'avion a été construit sans prototype. C'est-à-dire que le premier avion, toutes les pièces sont arrivées avec les trous pour les vis, là où il fallait, etc. Et le premier avion était le premier avion qui a été produit, qui a été vendu et qui volait bien. C'est un tour de force quand même. Voilà. Bon, donc pour donner un exemple, j'ai souligné les aspects difficiles, mais il faut souligner les aspects un peu enthousiasmants. Bon, la globalisation. Ben, vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises commencent à être sous domination indienne, sous domination chinoise. J'entendais l'autre jour le directeur Europe de l'Est de Rexel, société française, enfin d'origine française mais internationale et de distribution de matériel électrique, évoquer le fait que peut-être dans 10 ans, les principaux centres de décisions dans les grandes entreprises seront en Chine. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas complètement écarter. Voilà. C'est ça, la globalisation prégnante. Aussi. C'est ce genre de tension, de rupture qui peuvent se profiler. C'est aussi le fait qu'on travaille. Bon, c'est ça un changement. Alors, pour l'éclairer par quelques exemples aussi, vous voyez, le style de management ont évolué, c'est-à-dire on est parti de Crozier retenir l'information pour avoir un peu de pouvoir, à la partager en 2008, et puis peut-être encore quelque chose à venir qui est proposé là, encourager la création, peut-être, je ne sais pas. Voilà. C'est quelque chose qui est bien connu aussi, mais qui est lié directement et qui a des impacts avec la mondialisation, la globalisation. C'est on peut répartir les emplois entre emplois compétitifs, emplois exposés et emplois protégés. Les emplois protégés, c'est en gros les emplois de proximité. Une infirmière dans une maison de retraite, on en aura toujours besoin, ou une aide-soignante, on aura toujours besoin. Ces emplois vont toujours exister. Les emplois compétitifs sont les emplois à haute valeur ajoutée, les emplois technologiques de haut niveau, etc. Tout le reste sont des emplois exposés. C'est-à-dire les informaticiens indiens, qui ne sont pas forcément géniaux, parce que le système éducatif en Inde est un système de répétition, enfin de répéter dit le maître, enfin c'est pas un système qui promeut l'inventivité, mais ces ingénieurs, parce qu'ils coûtent moins cher, comme on peut les faire travailler à distance, voilà, ils mettent en danger des tas d'ingénieurs informaticiens sur des pays comme les nôtres. Vous lisez aussi bien que moi. Ça n'a pas besoin de commentaires. C'est-à-dire que c'est simplement le sous-titre. Les récits de crise font paraître. C'est-à-dire c'est quand j'écoute des cadres qui me parlent, il se trouve qu'au MCC, il y en a pas mal chez France Télécom, il y en a pas mal chez Renault. Il y en a, etc. Quand j'écoute, j'entends des choses comme ça.
Je vous ai dit aussi que les logiques de résultats, les logiques financières, quand elles deviennent des sortes d'absolus, instrumentalisent les personnes. Ouais, ça, c'est très frappant. Certaines politiques aussi de gestion des ressources humaines vont dans le même sens. Ouais. Et puis, dans les entreprises, ben, très souvent, les managers tournent tous les 2 ans. Donc, on ne sait jamais qui en a à faire. Je ne parle pas des organisations matricielles où vous ne savez pas trop à qui vous devez faire un rapport, parce qu'on ne sait pas qui a la priorité, etc. Monsieur Dupuis qui le souligne, c'est que on a le sentiment qu'aujourd'hui les dirigeants d'entreprise ne se rendent pas compte de l'impact des choix qu'ils font sur le personnel de leurs entreprises. Ils sont souvent trop loin parce que ils sont pris dans un monde, c'est un monde d'avions, de voilà, d'un bout à l'autre de la planète, etc., de rencontres, de machins, de trucs. Et ils perdent. Alors, ils vont faire des shows dans leurs entreprises, des conventions, mais ce n'est pas comme ça qu'ils les rencontrent. Ah. Alors, en principe, l'idée, c'était que tous ces changements qui devaient apporter un bien-être aux salariés, indépendamment des maux physiques, il y a les contraintes psychiques qui sont très fortes. Et moi, je suis quand même très frappé d'entendre beaucoup, beaucoup de plaintes dans des tas d'entreprises sur les conditions de travail, sachant que très souvent, c'est-à-dire ça bascule du jour au lendemain, ça bascule en 6 mois. Alors, c'est-à-dire en novembre 2010, vous avez telle entreprise, les gens sont très contents, c'est formidable. Et puis, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des choix qui ont été faits, il y a des conduites de managers qui sont telles, qu'au mois de mars, les services, voire les sites sont par terre. Voilà. Vous me faites penser à ce que me disait il n'y a pas très longtemps un jeune ingénieur dans la téléphonie. Il me disait, donc il travaille sur des applications, sur des iPhones, etc., des applications de télévision sur les iPhones et des choses comme ça. Et il disait, on est une petite équipe, mais on nous fait travailler dans l'urgence et on nous demande de faire en une semaine tout un tas de choses sans qu'on prenne le temps de réfléchir. Et il dit, si on se posait les bonnes questions, avant, si on prenait le temps de réfléchir, on ferait les choses en 15 jours. Comme on nous demande de les faire en une semaine et sans se poser les bonnes questions, difficilement on arrive à les faire en 1 mois. Écoutez, là je n'ai pas d'infos personnelles ou particulières différentes de celles du journal. Hein, donc, je veux dire, le psychosociologue se dit quand même qu'il y a un problème au niveau de la direction. Parce que si quelque chose comme ça se passe, je veux dire, c'est pas anodin. C'est-à-dire que si quelque chose comme ça se passe et est possible, c'est que, d'une certaine façon, la direction le permet. C'est comme l'affaire Kerviel. Si Kerviel a pu agir comme il a agi, c'est parce que la direction, d'une certaine façon, le suscitait. Et on a peut-être un tout petit peu oublié certains discours de M. Bouton sur les résultats, etc., de la Société Générale. Oui. Bon, donc voilà, je peux pas en dire plus, mais pour faire quelque chose d'aussi, de se tromper aussi lourdement au niveau le plus élevé, c'est quand même il y a évidemment de forts dysfonctionnements, sans que je puisse vous dire exactement lesquels et les analyser parce que j'ai pas les cartes en main. Oui, il y a une espèce de jargon qui est inspiré de l'anglais, mais. Les anciens Grecs avaient inventé la koiné, c'est-à-dire c'est un grec abattardi qui permettait de se comprendre d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Bon, on va arriver, il y a un anglais comme ça, il y a un anglais javanais qui est en train de se créer. Alors, ça c'est une très bonne question, en ce sens que je serais amené à redire un mot, mais je peux déjà le souligner maintenant. Enfin, c'est comme ça que je l'entends, votre question. Hein. C'est que ça pointe la difficulté
une difficulté majeure de la globalisation. C'est comment fait-on des affaires, alors ça rebondit sur votre question, monsieur, comment fait-on des affaires d'un bout à l'autre de la planète avec des gens qui sont dans des cultures entièrement différentes, qui n'ont pas le même rapport à la parole? Voilà. Comment fait-on des affaires? Et comment fait-on des affaires à l'intérieur d'une même entreprise, d'une même entité? Alors, faire ça avec passer client-fournisseur, c'est encore plus compliqué, mais même à l'intérieur d'une même entité, voilà. Donc, il y a quelque chose de... Je crois qu'il y a quelque chose de cela qui est en jeu, c'est-à-dire une réponse des entreprises, c'est ces procédures de normalisation, avec un certain nombre de rêves autour de la qualité totale, enfin de choses impossibles, qui mettent aussi les gens, je crois, dans de grandes difficultés, parce que faire croire que vous allez obtenir des résultats impossibles en respectant des procédures, ça peut pas marcher. Et en plus, alors votre question, ça fait rebondir. En plus, c'est une dénaturation du travail. Je l'ai pas mis dans mon exposé, mais j'ai ça en tête. Qu'est-ce que le travail, fondamentalement? C'est-à-dire, le travail, il faut le distinguer de la tâche. Une tâche, c'est tout ce qui peut être automatisé. C'est une tâche, elle est répétitive, elle est constante, elle obéit à des règles précises, elle peut être automatisée. Le travail, c'est justement quand il faut mettre de l'inventivité, quand il faut sortir de la règle. C'est ça le travail. C'est-à-dire, c'est quand l'homme, c'est l'homme qui vient régler le robot qui s'est déréglé. Et il n'y a pas de règles pour régler le robot déréglé. Il y a peut-être quelques règles de procédure, c'est-à-dire éviter qu'il soit sous tension pour pas se faire juter, enfin bon, des choses comme ça. Mais ensuite, pour trouver, identifier la panne, pour savoir comment, quel est le quart de tour ou le demi-tour ou le cinquième de tour qu'on va donner à tel vis ou à tel arceau pour le remettre en bon fonctionnement. Ça, c'est l'art du type. Voilà. Christophe Dejour, dans son petit bouquin sur l'évaluation, pointe ça avec beaucoup de finesse. Ouais. Donc, on tourne autour d'une question très difficile qu'on cherche à résoudre par la règle, et ça ne peut pas être résolu par la règle. Donc ça met aussi les gens dans des contradictions très fortes. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense malheureusement que c'est tout le sujet. Non, c'est le titre. Hein. C'est comme l'humanisation des hôpitaux, je le disais tout à l'heure. Je ne me suis pas expliqué là-dessus, mais si vous voulez, la structure hôpitale est inhumaine en soi. Donc l'humanisation des hôpitaux, j'ai travaillé 10 ans dans le monde de la santé, c'est pour ça que j'en parle et que c'est mon exemple. Ça fait tout reposer sur la façon dont les personnes, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, entretiennent le rapport avec le patient. C'est-à-dire que c'est... Donc dans les entreprises, c'est la même chose. Et on ajoute un point, c'est-à-dire que si vous voyez dans un hôpital un service et vous sentez que les aides-soignantes, les infirmières vraiment s'occupent bien des malades, pas une seule, hein, mais globalement, vous pouvez être sûr que le médecin, le chef de service, il est très attentif aux personnes. Et ben dans les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire que si le top management n'est pas soucieux des personnes, et ça les sociologues l'ont repéré aussi, hein, c'est-à-dire les entreprises qui ne se préoccupent pas véritablement, qui ne font pas d'un objectif, l'amélioration des conditions de travail ou la prise en compte des conditions de travail de leurs salariés, un objectif de qualité de leur entreprise, ces entreprises qui ne font pas, la situation est complètement dégradée. Et souvent les DRH, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire moi j'ai rencontré des DRH qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté, mais ils sentent qu'ils arrivent tout juste, ils essayent de repousser un tout petit peu des contraintes, mais ils sont complètement écrasés par... ils ont presque pas droit à la parole, quoi. Ça, c'est vrai. Donc le problème, il est là, hein, pour moi, fondamentalement. Alors on pourra l'éclairer de différentes façons, mais...
Je ne connais pas de façon suffisamment précise le management au Danemark. J'ai des idées de la façon dont ça fonctionne. Je sens à peu près dans certaines entreprises allemandes aussi comment ça fonctionne, mais en Suède, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc c'est difficile à dire. Mais j'ai entendu une remarque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le mode de management américain. C'est-à-dire les Américains ont adopté aussi des modes de management japonais et ont fait des mélanges. Et tout ça, ça circule. En fait, aujourd'hui, suivant les entreprises et suivant la... Ce qui joue beaucoup, c'est le fait qu'une entreprise, au départ, est originaire d'un pays, d'une culture, et elle exporte ses modes dans les pays où elle s'implante. On a un exemple très fort, par exemple, avec l'affaire de la loi Sarbanes-Oxley, donc qui imposait un principe de dénonciation d'un salarié par un autre si on avait une suspicion que mon voisin était en train de faire une chose qui allait contre les règles de l'entreprise. Voilà. Et en France, il y a eu un débat pour savoir si cette loi elle était applicable ou pas. Et les syndicats se sont beaucoup opposés. Et il y a eu des négociations là-dessus, etc. Donc on voit comment ça fonctionne, quoi. En revanche, une entreprise française qui s'implante aux États-Unis peut adopter des manières de faire qui sont les siennes. Alors, matisser des obligations du droit américain. Je prends l'exemple de Michelin. C'est un exemple dont M. Jean-Dominique Senard, là, le futur patron de Michelin, est très fier. Ils avaient une usine importante aux États-Unis, ou peut-être même plusieurs usines, mais je crois une usine dans le Texas ou par là, enfin dans un pays où on est un peu raide dans les relations avec les entre ses concitoyens. Et avec la crise, alors que les entreprises voisines ça devait être à Houston, donc pas loin de Houston, bon, ont mis au chômage les gens sans état d'âme. Michelin a dit, nous, on fait pas ça. Ils ont discuté avec leurs salariés. Ils ont dit, à cause de la crise, on va être obligé de baisser vos salaires de 20%, mais de tout le monde, les cadres y compris. Il n'y a pas de... c'est pas les petits et puis les gros, on n'y touche pas. Donc, tout le monde. Mais on vous garde. Voilà. Et on prend l'engagement de vous garder. Et dès que ça ira mieux, on remonte. C'est ce qu'ils ont fait. Je veux dire, ça a complètement surpris les autorités civiles américaines de la ville de Houston. Les gens disent, mais vous êtes complètement fous, on ne fait jamais ça chez nous. Moyennant quoi, vous pouvez être sûr que les salariés américains qui travaillent chez Michelin, ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Parce qu'ils ont fait ça, ils ont remonté, parce qu'ils ont repris, etc. Oui, donc, ça joue... Parce que c'est quand j'entends les récits, je veux dire, j'entends des femmes qui sont chefs de service, qui sont plus féroces que les mâles. Hein. Donc, on peut pas dire, vous voyez, là, on peut pas être dans les généralités. Donc, je crois que ça joue de façon psychosociologique, mais sur un peu les rapports entre les personnes, mais je ne sais pas si ça joue profondément sur la transformation économique. Voilà. J'en suis pas sûr. Et puis, ce n'est pas partagé également par tous les pays d'Europe. Alors, le discours sur le travail, je crois qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est que le travail, c'était d'abord l'affaire des esclaves et des serfs. Et ça a duré jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Rappelez-vous, travailler pour un noble, c'était déroger. Et la haute bourgeoisie a imité cela aussi. Voilà. Un homme de parlement ne travaillait pas. Enfin, il était en représentation, mais voilà. Ceci s'est retrouvé ensuite dans l'idéal du rentier de Balzac. Si vous lisez Balzac, on parle toujours des inscriptions dans le grand livre. Et des livres et des rentes que l'on a. Voilà. C'est une anecdote. Il y a maintenant des rentiers modernes. C'est les personnes qui réalisent une plus-value très forte en ayant créé une entreprise, qui la revendent
et qui vivent des rentes de cette revente. Alors, avec peut-être une nuance par rapport aux rentiers de Balzac, c'est que c'est eux qui gèrent leurs propres fonds. Hein, Balzac, c'était géré par l'État français, le Grand Livre, mais maintenant, bah, Bill Gates, voilà, il vit comme un rentier, mais c'est lui qui... où il confie ça à d'autres. Georges Frère, le milliardaire belge, ou son Desmarais, son pendant canadien, hein, ils sont tous les deux en cheville. Ils ont toute une société avec des gens qui sont chargés de vraiment de gérer leurs biens, etc., avec des perspectives long terme. Enfin, c'est très très précis. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de voir comment un certain nombre de personnes ont parlé du travail. Alors, ça remonte au XVIIe siècle. Le premier, c'est John Locke, qui a perçu que c'était le travail qui donnait sa valeur à une chose fabriquée, à un artefact. Donc, c'était déjà une première rupture avec... c'est un Anglais. Mais c'est une première rupture avec cet idéal du gentilhomme qui surtout ne devait vivre que du revenu de ses terres, ou éventuellement de quelques industries pour qui il avait des gens qui travaillaient pour lui. Bon, Adam Smith en fait un principe du fondement de la richesse des nations, hein, puisque l'homme est riche ou pauvre selon la quantité de travail qu'il peut se permettre d'acheter. Alors il développe ce point, hein, mais c'est... Oui, c'est-à-dire que c'est attaché, donc là on n'est plus sur le travail en lui-même, mais c'est la quantité de travail que je peux fournir et qui va être finalement la valeur d'échange, mais qui va être qui va être ma vraie richesse. Le philosophe Hegel, donc, lui voit le travail comme une source de création et de libération. Karl Marx, qui a quand même beaucoup compté, donc c'est l'idée que le travail va faire accéder l'humanité à elle-même. Il y a une sorte déjà de, vous voyez, une sacralisation, le mot est un peu fort, mais il y a quand même une... Pour Karl Marx, le travail a un poids extraordinairement important. La philosophe Simone Weil, alors elle, son point de vue est un peu différent. C'est elle estime que si on s'enferme justement dans le purement matériel et la technique, voilà, il y a quelque chose de qui se déshumanise et ça ne peut être réparé, c'est son mot, hein, c'est racheté, on va dire, en investissant le domaine du travail spirituellement. Et ça a été toute son histoire. C'est pour ça qu'elle allait travailler. Voilà. Mais habité de l'intérieur par cette conviction qui avait une présence spirituelle à assurer auprès de nous autres dans des rues, voilà, qui a assuré auprès, alors justement, de ceux qui avaient la condition la plus dure. C'est une frêle bonne femme en plus, donc c'est vraiment... Et puis le philosophe Eric Weil, lui, il nous rappelle quelque chose qui est important, c'est que pour lui, il y a quelque chose dans le travail qui symbolise la cohésion sociale et qui est, au fond, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus profond dans le travail, c'est la lutte avec la nature. Alors, c'est intéressant de souligner, par rapport à cette position de Eric Weil, parce que c'est l'actualité, que c'est ça qu'on a peut-être trop oublié. Lorsque les plans d'occupation des sols ne tiennent pas compte des zones inondables, on a oublié ce point de lutte avec la nature. Lorsque, je lisais ça dans la dernière livraison du Monde, la société qui exploite la centrale nucléaire de japonaise qui est en difficulté a oublié de considérer qu'elle avait construit sa centrale sur une faille tectonique, hein, et que non seulement elle l'avait oublié, mais lorsque des associations ont fait des procès pour dire « mais attendez, c'est du n'importe quoi », elle a obtenu que ces procès soient... Donc, elle a pris des moyens pour que ces procès soient étouffés, n'aient pas suite, etc. Donc, elle a commis quand même des fautes gravissimes, voilà, etc. Aujourd'hui,
lorsqu'on interroge, voilà les trois grandes, trois grandes lignes. Alors, il faut éventuellement les déployer un peu, mais on tient beaucoup au travail, c'est l'accomplissement de soi, c'est aussi ce qui va me donner un statut, c'est aussi ce qui est attaché au métier. Donc, alors ça, semble-t-il, un souci très français qui est moins partagé dans d'autres pays d'Europe. Et puis, c'est une source de lien social, à la fois par les réseaux, par les solidarités que ça permet. Et si on n'en est pas convaincu, on le voit par ce qui se passe dans l'expérience du chômage. Où l'expérience du chômage vous met en situation de posséder moins, donc d'être moins en situation en difficulté pour subvenir à sa famille, avec donc toutes les culpabilités que cela entraîne. On entreprend moins. Donc il y a une expérience d'humiliation. On espère moins. Il y a une perte d'identité et qui va très loin. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont fait cette expérience du chômage. J'espère qu'elle est terminée pour vous. Mais je pense que quand je parle de ça, ça doit rappeler des choses. Ça montre. Donc il y a aujourd'hui dans notre société, il y a un très fort enjeu autour de la question du travail parce que c'est vraiment un enjeu de constitution de la personne. Et le fait que les politiques qui se sont succédées en France depuis un certain nombre d'années, en fait, enfin, certains le disent, et je ne suis pas loin de le penser, on fait le choix d'entretenir un niveau de chômage élevé, ça pose quand même une grave question sociale. Alors, on peut compléter, voilà, bien sûr, c'est gagner sa vie, faire vivre les siens, ça, l'aspect famille. À la fois aussi, donc on retrouve la. Parce qu'on parle quelquefois de ça, de la transformation du monde, mais en oubliant cet aspect lutte avec la nature qui fait que la nature, on ne la maîtrise pas comme ça. Hein. On croit trop vite qu'on la maîtrise, mais là, on est un peu dans l'illusion. Et je crois qu'elle est en train de se rappeler à nous de bien des façons. Et des façons, dans des façons qui sont très insidieuses, parce que le changement climatique, c'est quelque chose qui ne s'observe pas. C'est quelque chose qu'on peut constater, mais qui ne s'observe pas. Et puis, quelque chose de très important, c'est d'agir avec d'autres, d'apprendre, de partager, de s'intégrer, etc., partager des codes communs. Alors, on retrouve votre question. C'est la question de toutes les entreprises multinationales. Comment est-ce qu'on va avoir des codes communs? Comment est-ce qu'on va être équitable entre deux pays? Comment est-ce que la façon dont une grande entreprise d'origine française traite ses salariés chinois est équitable par rapport à la façon dont elle traite ses salariés français, sachant que les salariés français ont assurance maladie, assurance chômage, retraite, assurance accident du travail, etc., et que les Chinois n'ont à peu près rien de tout ça parce que ce n'est pas organisé par le droit chinois. Comment est-on équitable? Je sais que des grandes entreprises françaises se posent cette question et essayent de donner des réponses concrètes. Alors, cette question d'humaniser le travail, il y a la réponse des entreprises. Alors, on pourrait faire de longs discours là-dessus. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a quand même, au niveau international, une question sur le bien fondé, sur l'avenir et le sens de nos fonctionnements économiques qui a déjà plus de 30 ans. Et une de ces grandes manifestations, c'est le fameux rapport Brundtland qui a défini le développement durable et qui a été suivi par le sommet de la Terre à Rio qui a établi un programme de développement durable qui s'appelle l'Agenda 21. Avec 2500 lignes d'action à suivre. Alors, Agenda 21, c'est parce qu'il y a, je crois, 21 domaines qui ont été répertoriés. La forêt, la mer, enfin, l'eau, l'eau,
les femmes, les enfants, les personnes âgées, etc. Et sur chacun de ces grandes thématiques, il y a des lignes d'action qui sont proposées. C'est ce qu'on appelle donc les 2500 lignes d'action de l'agenda 21. Et donc les pays, mais pas simplement les pays, même les villes, hein, les communautés territoriales peuvent s'emparer de cet agenda 21. Et certaines le font. En France, il y a un certain nombre de villes qui ont déjà pris des mesures très concrètes dans la ligne de l'agenda 21 sur un certain nombre de points. Pas forcément sur tous, mais sur un certain nombre de points. Donc c'est quand même une grande référence internationale qui fait son chemin. Pour les entreprises, moi j'ai envie de vous résumer un peu tout ce qui se passe autour de la question de la responsabilité sociale des entreprises. Bon, ça c'est un choix que j'ai fait. Cette diapo a pour objectif d'essayer de montrer quelle est la problématique. D'abord, il faut prendre tous les mots, hein, c'est-à-dire responsabilité, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire donc, c'est comment une entreprise va répondre à la question « je suis responsable de ». Puisque c'est une question, il faut donner une réponse. Donc je suis responsable par rapport à qui ? Je suis pas responsable par rapport à quoi ? Jusqu'où et comment ? Donc, est-ce que je suis responsable par rapport à mes salariés ? Ou est-ce que je suis responsable par rapport à l'environnement, par rapport aux parties prenantes, voilà, etc. Et puis, quelles limites j'accepte de donner, enfin, quelles limites je fixe à cette responsabilité. Voilà. Donc, suivant les entreprises, vous avez des réponses très différentes. Alors, social, bon, ou sociétal, hein, c'est l'idée que une entreprise, c'est Monsieur Octave Gélinier, qui était un pionnier de l'éthique des affaires, qui disait ça, une entreprise, c'est comme un poisson dans un bocal. Si l'eau est malsaine, l'entreprise va pas se porter bien. Et donc pour qu'elle se porte bien, mais c'est le poisson aussi qui est actif et qui peut nettoyer l'eau. Donc c'est la façon dont l'entreprise entretient des relations précises avec son environnement immédiat, ou même plus large, enfin il y a plusieurs niveaux, mais c'est la façon dont elle entretient des relations avec son environnement qui va être véritablement porteur pour l'entreprise ou non. Et ça c'est trop souvent oublié. Il y a des entreprises qui ne mesurent pas ou on ne sait pas leur fait payer le coût de leur pollution. Dans un petit fascicule que les EDC ont publié sur la justice, la question de justice du point de vue des entrepreneurs, ils posaient la question faut-il continuer une activité polluante ou non ? Moi, je trouve que c'est une question particulièrement mal posée. Non. La réponse, c'est certainement, il ne faut pas continuer une activité polluante, ou si on continue une activité polluante, il faut la transformer. Il faut voir comment on peut faire pour qu'elle soit moins polluante. Voilà. Enfin, j'ai trouvé que cette question était bizarrement posée. C'était bon. Alors, les entreprises elles-mêmes, il y a toutes sortes d'entreprises. Il y a aussi des situations juridiques d'entreprises qui sont très différentes. Donc la question se pose pas du tout de la même façon dans une SCOP ou dans une mutuelle que dans une société anonyme ou dans une SARL. La question des rapports humains, la question voilà. Les parties prenantes, vous savez ce que c'est, hein, donc c'est les salariés, les fournisseurs, les clients, les collectivités locales, l'État dans lequel on vit, etc., etc. La planète, puisque certains introduisent la planète. Oui, j'oubliais les actionnaires. C'est pas tout à fait par hasard. Pas tout à fait par hasard. Le rapport avec l'intérêt général. Comment est-ce que les entreprises se situent là-dessus ? Donc, il y a des tas de positions qui sont prises. Il y a des entreprises qui ont vraiment en vue l'intérêt général. Il y a des entreprises, par exemple, qui estiment, et qui le disent et qui le font, qui estiment que vraiment assurer... Donc contribuer à l'effort national pour que une retraite soit versée en France, par exemple, est quelque chose qu'elles estiment de leur devoir. Il y en a d'autres qui sont plutôt toujours un peu à essayer de voir comment est-ce qu'on peut rogner sur les bords et pas faire ça. Oui. Donc c'est des rapports complètement différents. Donc on peut pas... difficile de généraliser. Et puis alors, intervient là-dessus
Tout ce qui vient des grandes instances internationales, j'ai mis en particulier l'ONU qui est assez actif dans ce domaine, mais pas seulement, bon, à travers les programmes de développement humain, à travers des choses comme ça, mais à travers l'OMS, à travers l'ONU, c'est une galaxie de choses. Les normes internationales, les normes ISO ou les normes SA, vous avez des normes sur l'environnement, vous avez des normes sur le management, vous avez tas de normes. Les pressions que font ou ne font pas les États, et puis l'investissement socialement responsable. C'est-à-dire, c'est un investissement où les investisseurs, les actionnaires, dictent un certain nombre de conditions en termes, par exemple, de prise en compte des parties prenantes, de favoriser le dialogue social intérieur d'entreprise, etc. Il faut savoir que ceci n'est plus négligeable. Et en particulier aux États-Unis, l'investissement socialement responsable, notamment en raison de la puissance de certains groupes Quaker ou autres, qui sont des groupes financiers extrêmement forts, mais qui ont une morale d'acier, quelquefois empêche vraiment les entreprises de prendre des décisions qui seraient des décisions avec des conséquences inhumaines. Mais à l'inverse, vous avez des fonds de pension qui, pour obtenir des résultats immédiats, font faire des bêtises à l'entreprise. Il y a un cas célèbre avec la Citibank, auquel un fonds de pension l'a obligé à faire une manœuvre, qui fait que la Citibank, a distribué des dividendes cette année-là, mais a été incapable d'en distribuer beaucoup les années suivantes, parce que le fonds de pension leur avait fait une bêtise financière. Alors, cette prise en charge de la responsabilité sociale des entreprises par les entreprises elles-mêmes, ça peut avoir un certain nombre de bénéfices qui peuvent aller, vous voyez, de l'efficacité à l'avantage concurrentiel jusqu'à la valorisation boursière à moyen et long terme, donc l'investissement socialement responsable. L'avantage concurrentiel pour les clients, c'est pas... vous avez de plus en plus de gens... et en France, c'est très clair, qui exige. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un chantier, vous ne pouvez plus faire un chantier de construction, mais il devient de plus en plus difficile de faire un chantier de construction sans vous ayez des contraintes qui vous sont imposées en termes de bilan carbone de votre chantier. Dans le MCC, à l'équipe JP France, il y a un jeune conducteur de travaux là qui travaille pour Vinci. Il nous explique comment ils font pour limiter le bilan carbone, donc covoiturage des ouvriers, etc., etc. Régler le balai des camions de façon à ce que tout ça soit le moins cher possible, parce que les clients, en particulier les clients des communautés territoriales, construction d'un hôpital, construction d'une maison de retraite qui n'est pas dans le secteur privé, exige ça. Oui. Donc si les clients exigent, elles mettent au pas les entreprises là-dessus. Alors on va changer de registre. Donc on va passer à la réponse chrétienne et on va commencer par... je vais vous commenter l'article que je vous ai remis. Donc c'est un article qui m'a été demandé par un témoignage chrétien. Je ne vais pas le lire, je vais le commenter. Donc on va le parcourir ensemble. Mon premier point est un peu iconoclaste. C'est pour réveiller l'assemblée. Mais ce que je voudrais dire, c'est comment ça m'est venu. J'étais parti faire une retraite d'une semaine, tout seul dans la montagne, avec ma tente et mon sac sur le dos, et un minimum de nourriture, on ne veut pas en transporter beaucoup, et avec mon évangile, petit évangile. Je n'avais pas pris la Bible, c'était trop lourd. J'ai pris le petit évangile. Et il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir, qui m'a frappé, parce que dans mon histoire jésuite, j'ai été amené à travailler en particulier comme apprenti maçon et comme apprenti dans les différents métiers du bâtiment. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, assez longuement. Et je me suis dit, mais... c'est quand même pas croyable. On nous dit une seule fois,
Une seule fois. On peut dire que l'attestation n'est pas très forte. Que Jésus est charpentier. Mais il n'y a pas une seule allusion à aucun métier d'artisan dans les propos de Jésus dans les quatre évangiles. Et là, ça me pose un problème. Parce que si vraiment il avait pendant 30 ans, enfin disons à l'âge de 12 ans, jusqu'à 30 ans, donc pendant 20 ans, mettons, ou 18 ans, travaillé comme charpentier, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une parabole autour de ça. C'est pas une parabole, deux, c'est pas Jésus, et c'est pas un travail de charpentier. Donc, il y a aucune image. Alors, ça me pose une question, d'autant plus que dans un évangile, on dit qu'il est le fils du charpentier, et dans un autre, on dit qu'il est le charpentier, mais on peut très bien comprendre que d'un évangéliste à l'autre, on soit passé du père au fils, mais qu'en fait, il fallait rester sur le père. Donc, je ne discute pas le fait que Joseph était charpentier. Par contre, je ne vois pas ce qui nous autorise à penser que Jésus était un artisan. Alors, vous voyez, c'est un peu iconoclaste parce que Jésus ouvrier, tout ça, je casse la baraque. J'ai lu un texte de Jean-Paul II qui affirmait haut et fort toutes les vertus du travail chez Jésus, mais non. Si Jésus est compétent en quelque chose dans les Écritures, c'est dans les Écritures. C'est un maître S-Écriture. C'est un intellectuel. Enfin, intellectuel. C'est un rabbi, c'est un rabbin. D'ailleurs, on l'appelle rabbi. Et là, il les connaît. Et là, il les a travaillés. Et il les a médités. Et c'est clair. Alors là, ça, j'ai pas de doute. Et certainement, il n'a pas fait ça à l'âge de 8 ans. Il a fait ça après. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, premier point, iconoclaste. Mais vous voyez que c'est venu... c'était avec mon évangile dans la main et seul dans la montagne. Et j'ai cherché, hein, j'ai parcouru, donc je vous passe le... Par contre, alors j'ai cherché après coup, parce que là, j'avais pas de Bible, mais je me souvenais quand même d'histoire, il est quand même question, justement, de métier d'artisan dans la Bible. Et on voit, par exemple, que Jérémie, qui n'est pas artisan lui-même, mais descend chez son voisin le potier, et prophétise. Ah, donc, on passe déjà... à la fin de la page 1. Et donc, Jérémie, il prophétise. Et il prophétise à partir du travail du potier. Voilà. Autre texte que je trouve très beau, c'est déjà le bas de la page 2, le dernier paragraphe de la page 2. C'est ce texte de la sagesse sur... C'est un bûcheron menuisier, charpentier. Voilà. Et son travail est très bien décrit. Et il nous dit aussi comment le travail, comment on peut basculer vers l'idole. Voilà. Comment l'idolâtrie peut se glisser dans le meilleur de notre activité. On ne trouve rien de ça dans l'Évangile. Pourtant, ça aurait eu sa place. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible du travail? D'abord, je crois que ce qu'on oublie toujours, c'est qu'elle nous dit que c'est la vocation première de l'homme, puisque Dieu le met au jardin d'Éden, pour le cultiver, ce jardin. Ah, et ceux d'entre vous qui ont quelques poireaux et tomates derrière leur maison, savent que ça demande quand même pas mal de travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Bible nous dit que si le travail devient quelque chose de dur, de pénible, c'est peut-être parce que il y a quelque chose de l'ordre du lien fondamental à l'autre et à Dieu qui est rompu. Donc c'est ce qu'on appelle le péché, le travail du péché. Voilà. Donc c'est pas inhérent au travail qu'il soit dur, mais c'est quelque chose dans notre
au fond de nos êtres, cette espèce de doute que nous portons sur Dieu. Dieu, est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance? C'est quand même un peu la question que nous posons de temps en temps. D'ailleurs, on ne se la pose même pas, on donne la réponse. On dit, écoute, je m'occupe de moi-même parce que je ne suis pas du tout sûr que tu vas m'aider. Donc, eh oui. Donc le travail dans l'histoire de l'humanité est marqué par ça peut-être, vous voyez, c'est-à-dire par quelque chose de plus fondamental, enfin en tout cas selon l'écriture, c'est qu'il y a quelque chose qui est entaché, qui est rompu en quelque sorte d'un équilibre heureux de l'homme avec lui-même et avec les autres et avec Dieu. Ce que la Bible aussi nous dit, donc l'Ancien et le Premier Testament, c'est que la vie de l'homme est traversée par la violence et la mort, et que de même, le travail peut être traversé de la même façon, c'est-à-dire par l'injustice. Les prophètes parlent des salaires impayés, des exactions qui réduisent les paysans à la misère. Il y a le fameux esclavage du peuple en Égypte. Et la libération du peuple, c'est libérer le peuple du joug de la contrainte, c'est symboliquement l'associer à une nouvelle création, c'est-à-dire l'associer au travail créateur de Dieu. Et c'est cela aussi que la Bible fait entendre à travers l'importance du commandement du sabbat. Ce qui est sacré finalement dans le sabbat, c'est le jour où l'homme vient remettre à Dieu tout le travail de la semaine et donc en quelque sorte vient permettre à Dieu d'habiter le travail de la semaine. C'est ça qui est très beau d'ailleurs dans la tradition juive. Mais il se trouve que Jésus relativise ce commandement. Et donc on arrive à la fin de mon article, vous pourrez le lire tranquillement, mais il le relativise. Et les plus grandes discussions, les distinctions les plus vigoureuses, voire violentes de Jésus avec les scribes, les pharisiens et d'autres, ça porte autour de la question de l'observance du sabbat. Et à cette observance du sabbat, Jésus a fait paraître une autre loi, qui est la loi de la charité, la loi de l'amour du prochain. Donc, par exemple, il y a de multiples exemples, j'en cite qu'un. Devant un homme à la main desséchée, Jésus interroge les pharisiens. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer? Vous voyez, les mots sont forts. Sauver une vie plutôt que de la tuer. Voilà. C'est ça qui relativise le sabbat, c'est quand on peut sauver une vie. Et si on ne le fait pas, on la tue. Vie-mort. Et ce que fait paraître Jésus, c'est qu'il y a une loi plus haute, qui est celle de l'amour du prochain dans l'amour de Dieu, ou de l'amour de Dieu dans l'amour du prochain. Ce qui fait dire à Saint Jean, au Jésus de Saint Jean, « Mon Père travaille sans cesse, et moi aussi, je travaille. » Et ce travail, c'est le travail vraiment de travail de justice et de paix. Chercher le royaume et sa justice. Voilà. C'est le sens même. C'est-à-dire que le travail auquel Jésus nous invite, c'est un travail qui a un sens profond, qui a un sens contributif. On ne travaille pas pour soi, on travaille pour d'autres, pour les autres. On travaille pour la société, on est au service des autres. Donc Jésus nous invite à comprendre, c'est que notre travail, on doit en chercher un sens. Et c'est pas la nature du travail qui est en cause, c'est la façon dont on le vit. J'étais assez frappé un jour... regardant un documentaire sur les grands hôtels de luxe,
de voir le témoignage d'une chambrière qui disait que elle avait une certaine joie à faire la chambre de façon impeccable, nettoyer les miroirs, chasser les coins de poussière au-dessus de l'armoire, ce qu'on oublie toujours, faire les lits. Voilà. Bon, d'autres diraient, ce boulot. Non. Voilà, parce qu'elle disait, moi je fais ça parce que je pense aux personnes qui vont loger dans cette chambre, et pour moi c'est une façon de contribuer à leur accueil. Je crois que c'est de ça dont Jésus nous parle. Donc c'est la réponse chrétienne, et cette réponse chrétienne, elle est d'abord enracinée dans l'Écriture. Voilà, donc c'est une petite lecture de l'écriture que je vous propose dans ce texte, une lecture raisonnée. Hein, j'ai un peu organisé les choses sans vouloir faire quelque chose ni d'exhaustif ni prendre tous les sujets, sachant que c'est pas une lecture fondamentaliste, comme vous l'avez compris. C'est le lavement des pieds. Hein. Si vous n'avez pas identifié la scène, lavement des pieds sur un sarcophage du 5e siècle. Un sarcophage chrétien du 5e siècle. Voilà. Voyez, on voit Pierre qui avance son pied, puis il y a le bassin en bas. Voilà. Si j'en viens maintenant à la pensée sociale de l'Église, ce que j'ai fait là, le petit travail que je vous présente, j'ai repensé l'ensemble du thème à partir de la dernière encyclique du pape Benoît XVI, Caritas in Veritate. Pourquoi ? Parce que dans Caritas in Veritate, Caritas Veritate est une relecture de l'encyclique de pape Paul VI, Populorum Progressio. Et c'est une relecture, c'est-à-dire que Benoît XVI reprend cette encyclique, dit les points où elle a perdu de son actualité, et dit les points où elle continue à avoir de l'actualité, et l'amplifie. La Populorum Progressio, c'est un tout petit texte très court. Caritas in Veritate, c'est un peu plus gros, même s'il y a une grosse introduction dans ce volume, c'est quand même à peu près la moitié du volume. Voilà. Et il dit très précisément que pour lui, Populorum Progressio, c'est le Rerum Novarum du temps contemporain. Donc, c'est-à-dire qu'il nous invite à oublier un peu Rerum Novarum qui date du 19e siècle et ce qui s'en est suivi, parce que les conditions économiques ont changé. Et comme il fait la critique de Populorum Progressio en disant, enfin critique positive, mais en disant voilà ce qui va, et puis voilà là où Paul VI avait des espoirs, mais les espoirs ont été déçus, et qui reprend l'ensemble des choses et les amplifie, on peut dire que voilà, je crois qu'il y a du sens à repartir aujourd'hui sur la pensée sociale de l'Église à partir de Caritas in Veritate, et certains qui veulent faire un peu d'histoire pourront remonter aux encycliques de Jean-Paul II, Laborem Exercens, Sollicitude Aurei Socialis, etc. Mais sachant que elles sont incluses et aussi reprises dans Caritas in Veritate. L'important de Paul VI, c'est que c'est l'idée que le développement intégral, selon l'expression, c'est vraiment le cœur, ça doit être le cœur de la vie économique. Et sous le registre que toute vie est vocation. Pas forcément vie chrétienne. Toute vie humaine. Ah, c'est la vision de Paul VI, c'est celle-là. Et cette vision suppose que l'on ait en même temps une vision de la transcendance. Qui habite la personne humaine. C'est-à-dire qu'on ne pense la personne humaine qu'en rapport à une transcendance. Nous, on va appeler ça en rapport à la Trinité. Mais Benoît XVI accepterait que quelqu'un dise en fonction de Dieu ou d'une transcendance un peu moins précise, mais il accepterait ça, je pense. Les deux critères de base, la justice et le bien commun, elles sont définies dans l'encyclique. Donc c'est la justice au sens, dans tous ses sens, mais avec surtout l'idée que la justice, ça consiste à donner à chacun ce dont il a besoin, tout en respectant l'entourage, les conditions sociales, etc. Et le bien commun, c'est toujours aussi un rapport entre le singulier
et le pluriel, entre le singulier et la communauté. C'est-à-dire c'est que chacun puisse profiter des biens de la terre selon ses besoins, sachant que tous doivent pouvoir en profiter. Bon, il redonne une définition qui est très simple et très claire, on ne va pas la relire là. Voilà. Alors, Benoît XVI ne dit pas exactement les choses dans ces termes-là, mais en fait ça revient à ça. C'est de nous rappeler constamment dans cette encyclique que toutes les fins de l'action humaine sont éthiques, y compris, et là il y insiste lourdement dans un chapitre spécial, y compris les finances. C'est-à-dire que question éthique, ça veut dire question éthique ou morale, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de bien et de mal dans tous les domaines de l'activité humaine, y compris dans les finances. Et on n'est de ce fait pas autorisé à faire n'importe quoi dans ces domaines-là. Il souligne avec force que l'écart des richesses tel qu'il se structure dans nos pays occidentaux ou dans le monde, c'est devenu insupportable. Et c'est moralement inacceptable. C'est dit clairement. Là, j'ai repris ces mots. Voilà. Donc, vous voyez, on discute sur les... On m'a interrogé une fois dans une émission sur les salaires des grands patrons, etc., parce que j'enseignais l'éthique des affaires, l'éthique du management. Et on me demandait ce que j'en pensais. J'ai dit, mais attendez, là, on n'est plus dans l'éthique. Je veux dire, c'est plus le sujet de l'éthique, là. On est hors et pur. Donc, voilà. Et c'est dit par Benoît XVI, moralement inacceptable. Voilà. Donc, pas discuter, il y a un peu jusqu'où, etc. Il est mort. Est-ce que 200 fois, c'est possible? Est-ce que 250 fois, c'est pas un peu trop? Non, attendez, rigolons pas. Bon. Objectif prioritaire aussi, l'accès au travail. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur les politiques pas très vigoureuses contre le chômage en France. Des orientations, alors c'est pas toutes, voilà. Alors il précise bien dans les parties prenantes, c'est pour ça que j'ai oublié les actionnaires, c'est que, attention, il faut que les actionnaires ne soient pas des parties prenantes dominantes. D'autant plus qu'elles sont anonymes, d'autant plus que ce sont des fonds de pension, d'autant plus que voilà. C'est-à-dire qu'ils sont... Et c'est ce que l'on voit trop souvent aujourd'hui, c'est des acteurs financiers qui agissent uniquement en fonction de leurs intérêts et pas du tout en fonction des intérêts communs. Vous avez le fameux exemple de la Morgan avec la Grèce, qui a contribué à endetter la Grèce et qui ensuite se fait double la mise avec le déficit grec, voilà. On prétend de l'argent à des taux invraisemblables à la Grèce, alors qu'ils ont poussé à des politiques qui contribuaient à l'endetter. Il n'y avait déjà que trop tendance. Donc, rappel que l'investissement a une signification morale, donc ça plaide aussi pour réfléchir à la façon dont nous plaçons notre argent. Dans quoi est-ce qu'on le place? Voilà. Investir a une signification morale. Promouvoir le travail décent. Le travail décent, donc ça, c'est un concept qui est développé à Genève par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui est une émanation de l'ONU. Bon, donc on peut trouver les caractéristiques du travail décent. Favoriser le dialogue social, ça, c'est une constante de... c'est pas nouveau, mais c'est une constante de la pensée sociale de l'Église. Et voyez qu'il revient sur la finance... La façon dont on gère, dont on fait les métiers de la finance, transparence. Il s'agit de tenir ensemble transparence, intention droite et bon résultat. Bon résultat, d'accord, mais à condition que la transparence et l'intention droite soient tenues. Voilà des orientations très fermes. Alors, on ne dit pas comment il faut que vous fassiez. C'est toujours, l'Église ne s'engage jamais là-dessus. Mais elle donne quand même des orientations et chacun... Je veux dire, avec des repères comme ça, on sait si on est dans la nation droite ou si on est dans la transparence ou pas. Ça, je veux dire, quand vous êtes... je pense que les gens de la Morgan... Alors, quelquefois, les consciences sont si aveugles qu'ils ne voient plus. Hein, ça, c'est... Ça. Je crois que... Pour terminer sur une note spirituelle, le travail comme lieu spirituel, c'est un lieu de sens ou de non-sens. C'est ça. C'est-à-dire, le travail, ça peut être un lieu de sens ou de non-sens. Faire vivre sa famille, ça peut avoir du sens.
développer ses capacités, ça peut avoir du sens. Si on est des conditions où ceci n'est pas possible, on se trouve dans une situation de non-sens. Si ce que l'on gagne ne nous permet pas de faire vivre notre famille, on se trouve aussi dans une situation de non-sens. D'où l'enjeu, par exemple, du commerce équitable. Le style de management. Quand vous avez de grands établissements bancaires dans certaines régions qui cultivent un management par la méfiance et qui s'étonnent qu'il y ait des suicides, on est dans le non-sens. Le statut social que mon travail me procure, ça peut être un lieu de sens, c'est-à-dire à quoi ça va me permettre de contribuer ou à quoi est-ce que je contribue avec cela, ou l'inverse, et que c'est ainsi du reste. Donc, comme lieu spirituel, on peut se poser cette question, vous voyez, en termes aussi, aussi tranchés. Et pour prier, parce qu'il n'y a pas de spiritualité, je pense, sans prière, sans vraie prière, eh bien, il y a trois manières, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais je crois qu'il y a trois manières de prier au travail. Alors d'abord, il y a la manière d'honorer le commandement de saint Paul, c'est prier sans cesse. Alors, ce qu'il y a par derrière mon commentaire, c'est un texte de saint Augustin. Saint Augustin s'interroge, saint Paul nous dit prier sans cesse. Bon, on ne va pas être toute la journée comme ça. On ne peut pas rester les mains en l'air et voilà. Bon. Et en fait, il dit, ton désir, voilà ta prière. Si tu ne cesses de désirer, tu ne cesseras de prier. Donc, si on traduit ça en termes liés au travail, ben c'est la façon dont j'investis mes actions, hein, dont je m'interroge sur la façon dont je contribue positivement autour de moi, à la société, que ce soit entreprise ou plus large. Voilà. Ça sera ma manière de prier sans cesse. C'est lié à ton désir, voilà ta prière. C'est l'histoire de ma chambrière de tout à l'heure. L'autre point, qui est peut-être plus jésuite, j'allais dire, alors c'est pour chacun, c'est un mode propre, c'est un rythme propre, mais ce qu'il y a derrière, c'est ce que Ignace demande des jésuites, demandait aux jésuites. Enfin, demande, parce qu'on va dire que ça reste un présent. C'est, pour Ignace, la priorité pour les jésuites, c'est l'action apostolique. Les prédications, les conférences, tout ce que vous voulez. Divers travaux, toutes sortes, le soin des pauvres, ça passe par de l'éducation, etc. Enfin, ça passe par toutes sortes de métiers. Mais ce qui est important, je disais, c'est que il faut que chaque journée, la personne ait un temps d'union personnelle à Dieu. Peu importe la durée, ce n'est pas une question de durée. C'est un temps personnel d'union à Dieu. Et chaque chrétien, je crois, peut entendre cela. Ça peut être 5 minutes, 1 minute. Ouais. C'est pas forcément 1 heure. Mais il faut s'en donner les moyens, il faut en avoir le désir. Il faut le rechercher. Sachant que cette union, c'est Dieu qui nous la donne, mais il faut s'y disposer. Et puis, troisième manière de prier très importante, c'est surtout si vous avez des responsabilités et des choix à faire. Eh bien, c'est de ne pas hésiter à prendre conseil auprès du Seigneur des choix que vous avez à faire. Donc, les lister, par exemple, par écrit. Et puis, lui demander ce qu'il en pense et essayer de sentir intérieurement, voilà, sur chacun des choix, comment devant le Seigneur vous êtes mu, voilà, comment l'Esprit vient vous toucher. Un par un, hein, avec un critère de vérification, de confirmation, c'est finalement, je me sens entraîné à prendre cette option plus que telle autre. Quand j'y réfléchis, est-ce que cette option, finalement, compte tenu des circonstances, etc., est plus humanisante? Petit critère de vérification, que je me laisse pas tromper par l'ennemi de la nature humaine. Voilà. Vous avez souligné tout à l'heure
que l'écart s'agrandissait, était devenu plus grand entre le management intermédiaire et les salariés et le top management et les dirigeants. Alors ça, je trouve ça très grave parce que... Bon, je pense que c'est davantage vrai dans les grandes organisations. Oui, bien sûr. Une entreprise de 40 personnes... C'est clair. Voilà. 500 personnes... j'ai vécu, moi, 500 personnes. Le dirigeant, s'il est charismatique, il peut encore être là. Et on a des signes de reconnaissance encore directs. Mais c'est vrai qu'après... Alors comment si on n'a plus de signes de reconnaissance, d'une part, et si le sens n'est pas donné par le leader, parce qu'il est trop loin, comment peut-on à la fois faire allégeance et trouver une motivation et donner du sens à son travail? Je n'ai pas de recette. Hein. C'est un constat qui est fait aujourd'hui par beaucoup. Alors ça tient au fait que l'état-major est aux États-Unis, par exemple, et puis les ordres descendent sur une filiale qui est en France ou qui est aux Pays-Bas. Les gens le vivent très mal parce que souvent ils trouvent que les décisions qu'on leur impose sont au rebours de ce qui devrait être fait ou ne tiennent pas compte des circonstances locales et que ça va aller droit dans le mur. Alors c'est extrêmement démotivant et décourageant. C'est aux dirigeants de faire le pas. Vous savez, il y a deux bouquins américains qui sont parus. Il y en a un qui dit pourquoi les grands patrons se plantent, et il y en a un autre, c'est pourquoi les décisions stratégiques ratent, et qui fait état que 60% des décisions stratégiques prises dans des entreprises américaines aboutissent à un fiasco. C'est considérable. C'est parce qu'on a des gens qui s'enferment dans leur tour d'ivoire. Enfin, il y a tout un tas de motifs, on peut décrire, mais si on résume, ça tourne autour de ça. Donc, pour moi, j'ai pas de recette. Hein. Vous avez raison de souligner la gravité. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je voudrais juste préciser d'emblée que je suis très très content d'avoir assisté à votre conférence, parce que je vais dire, j'ai bien noté que vous étiez un peu iconoclaste, alors j'ai posé ma question un peu sous la même forme. Je suis très content d'avoir assisté, mais par contre, j'aurais mieux fait de pas venir. Parce que vous avez dit, vous avez posé la question, quand une activité est polluante, faut-il l'arrêter ou non? Vous dites, la question est mal posée, il faut l'arrêter. Donc j'aurais mieux fait de pas venir, je suis venu en voiture. ce que je veux dire par là, c'est que quand vous réagissez à cette question sous cette forme-là, il manque la définition de qu'est-ce qui est polluant? En fait, toute activité humaine est polluante, donc je crois que la réflexion, elle va au-delà de ça. Oui. Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que vous avez parlé de beaucoup de choses, environnement, responsabilité sociale, etc. Vous n'avez pas parlé beaucoup de sécurité, c'est-à-dire le rôle des entreprises dans l'amélioration de la sécurité. Ça me semble aussi être... un des aspects de l'amélioration, de l'humanisation du travail. Et en même temps, ça pose la question des règles, parce que si on veut travailler complètement en sécurité, on est obligé de mettre en place des règles très très formelles, souvent, très contraignantes, et peut-être que ça pose des contraintes aux gens que les gens vivent mal. Voilà. Donc, j'ai pas dit tout à fait ça, hein. C'est-à-dire j'ai dit qu'il fallait transformer. Il fallait réfléchir à la transformation. Pour moi, la question était mal posée en oui ou non. Il y avait d'autres options qui étaient de transformer l'activité polluante, à voir comment on pouvait la rendre moins polluante, etc. Et le fait que vous évoquez la voiture, ça me paraît effectivement un très bon sujet, parce que pour moi, c'est une des questions qui se posent à notre société globalement parlant, enfin mondiale, disons à l'échelle de 50 ans.
avec le réchauffement climatique. On va être conduit à des ruptures. Alors, c'est moi, je ne le verrai pas, je serai mort avant, enfin, sauf si je vis jusqu'à 110 ans. Mais mes neveux et petits-neveux ou mes petites nièces le verront. Donc là il y a une question qui est... vous voyez, on ne le sent pas venir, etc., mais ça nous pend. Mais bon, laissons ça de côté parce que c'est un sujet immense. Alors, sur la question de la sécurité, vous avez tout à fait raison. Et l'année dernière, j'ai fait une mission, justement, pour une grande entreprise chimique d'Alsace, donc il n'y en a pas 36, sur la question de la sécurité. Et pourquoi est-ce qu'on m'avait demandé d'intervenir dans cette entreprise? Et il y avait tout le management, y compris le directeur sécurité de l'Allemagne, donc de l'état-major qui était là, parce qu'il s'était rendu compte que les règles ne fonctionnaient plus. Et donc la question de la sécurité, il fallait la rebasculer sur le sens de la responsabilité des personnes. Et donc il fallait se réensaisir de l'intérieur, c'est-à-dire se réensaisir non plus sous la forme de la règle, mais sous la forme humanisante où les personnes étaient impliquées dans la manière de vivre la sécurité, non seulement pour eux, mais surtout pour les autres. Surtout pour les autres. Parce qu'il s'était produit dans cette usine un certain nombre d'incidents qui montraient que les gens avaient laissé faire des comportements qui étaient des comportements insécures et qui se sont révélés de ce fait, qui ont été l'occasion d'accidents du travail. Ils avaient laissé faire alors qu'ils avaient la possibilité soit de faire comprendre à la personne qu'il ne fallait pas faire ça, soit même la responsabilité managériale de l'interdire et d'intervenir immédiatement, sans attendre. Et ils ne l'avaient pas fait. Et c'était un pas, si vous voulez. Ça fait partie aussi, on peut discuter aussi, mais sur des évolutions managériales des entreprises, c'est-à-dire on est passé on s'organise comme on peut, ensuite on est passé à une rationalisation de l'organisation, en particulier sur les questions de sécurité, en pensant que c'était en améliorant les process, ensuite c'est en améliorant les procédures, mais on s'aperçoit que la règle, quand on n'est que sur les règles, ça ne fonctionne plus. Et donc, il faut repasser vers quelque chose où les personnes sont réinvesties personnellement d'une certaine autonomie par rapport aux procédures. Voilà. Et ils m'avaient demandé d'intervenir là-dessus pour conscientiser le personnel sur ce que c'était que la notion de responsabilité. Et j'ai eu, après, ils m'ont dit qu'ils étaient très, très contents de cette intervention. Donc. Non, mais la sécurité, je ne sais pas si on parle de la même entreprise. Mais vous avez fait plusieurs fois allusion au fait de dénoncer les déviations. Et dans mon entreprise, bien sûr, on a eu ce débat. Est-ce qu'il faut dénoncer quelqu'un qui est en train, qu'on voit violant une règle de sécurité? Et un Américain nous disait, mieux vaut dénoncer son meilleur copain, le faire virer, que de l'enterrer. Et ça nous a fait drôlement réfléchir. Je commande pas. Puisque vous nous faites réfléchir, on va rester comme ça.